Ils sont venus par milliers lundi soir, spontanément, sur le lieu même où à New York, le mouvement gay avait débuté en 1969. Un symbole fort qui en dit long sur l'émotion de la communauté homosexuelle de la ville. Nous étions ici il y a un peu près d'un an quand le mariage gay est passé. Nous avions fait la fête ici même au Stonewall. Alors on a pensé qu'il serait bien de venir aujourd'hui pour être avec tout le monde par ces temps tragiques. Tristesse, mais surtout colère. La communauté gay de New York attend désormais que cette tragédie se traduise en réformes concrètes. Je prie pour que nos élus interdisent la vente des armes d'assaut. Ces armes ne sont jamais utilisées pour la chasse. Elles ne sont jamais utilisées pour la protection. Elles servent juste à tuer des gens. Et le premier à avoir apporté son soutien n'est autre que le maire de New York, Bill de Blasio. À 2 semaines de la très attendue Gay Pride, il entend rassurer les participants. Je veux dire à la communauté gay de New York, nous sommes à vos côtés. Et nous vous protégeons. Nous sommes tous New Yorkais, nous sommes tous Américains. Et oui, nous sommes Orlando. Bill de Blasio a invité tous les Américains à participer à cette prochaine Gay Pride, qui s'annonce déjà comme l'une des plus belles réponses à la tuerie d'Orlando.